Salut les toqués, on se retrouve encore une fois pour une vidéo collection de mes films d'horreur. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, nous avons l'excellentissime Psychose de Alfred Hitchcock. Nous avons Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach de Romano Scavolini, inclus également dedans Demencia 13, ce qui est plutôt cool. Nous avons ensuite le très très bon Phantoms avec Ben Affleck, pardon. Nous avons ensuite la Malédiction du Pharaon de Lucio Fulci. Nous avons ensuite Maximum Overdrive avec la VO d'AC/DC de Stephen King. Nous avons un film que j'aime beaucoup, voilà, Mom and Dad. C'est un torture porn d'une famille dégénérée. En torture porn, c'est un bien grand mot, mais vraiment fun. Donc voilà, comme je vous disais dans une précédente vidéo, La Mutante 1, le voilà. Nous avons Mirrors avec Kiefer Sutherland. Voilà, Alexandre Aja. Voilà, j'ai appris un peu que c'était Alexandre Aja, honte à moi. Et Maniac Cop 2. Donc voilà, ça c'était ce qui était au-dessus de la colonne. Ensuite, nous avons, donc voilà, un film que je parlerai aussi dans Et alors ça vaut quoi? May, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons Meurtre à la Saint-Valentin 3D avec le lenticulaire et les lunettes intérieures. Le assez peu connu, je trouve aussi Midnight Meat Train. Voilà, Mimic 1, très culte, et Mimic 2, donc le 3. Ensuite, La Danse en Misery, c'est l'original, mais j'ai plus la jaquette. Ensuite, nous avons The Mist. Ensuite, nous avons Monsters. Ensuite, nous avons Un Nanar avec Carmen Electra, Monster Island. Ensuite, nous avons Morse, excellentissime, qui a inspiré le remake de Let Me In avec Chloé Grace Moretz. Ensuite, un film de requin, Mort au large. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, Mosquito. Ensuite, un excellent, vraiment excellent film, Mother's Day. Ah, celui-là est vraiment fun. Ensuite, pareil, un film que j'ai vu beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est Miss Tingle. Ensuite, nous avons Nightwatch, que j'avais étudié en russe et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de Tibur Bekmambetov, si je dis plus de bêtises. C'est ça. C'est celui qui a fait Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, en collaboration avec Tim Burton, et numéro 9 aussi. Ensuite, nous avons sa suite, Daywatch. Il devait avoir un 3 intitulé Duskwatch, mais pour l'instant... Ensuite, Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Ensuite, nous avons La Nuit de la Mort, toujours pas vu. L'excellentissime Une Nuit en Enfer, hein, avec... merde, Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino. Ensuite, nous avons le 2 qui est moins bon. Et le 3 qui est encore moins, mais bon, il se laisse regarder, franchement. Ensuite, un chef-d'œuvre, Orange Mécanique. Un autre film de requin, Open Water. Ensuite, deuxième sous-sol loupé 2 que j'aime beaucoup. C'est présenté par Alexandre Aja. Ensuite, le seul que j'ai, parce que les autres, je m'intéresse pas, Paranormal Activity. Ensuite, Pervert, que j'ai reçu par erreur à la place de Gutterballs et qu'on m'a dit de garder, donc tant mieux. Ensuite, mon film de requin préféré, Peur Bleue. Ensuite, l'excellent remake de Piranha. J'ai deux originaux qui doivent arriver, merci Tanguy, Brendan Tanguy, pardon. Ensuite, Pitch Black, excellentissime, qui est le préquel aux Chroniques de Riddick et à Riddick, qui est mon préféré. Donc, les Chroniques de Riddick et Riddick. Voilà, je les ai mis dans le film de genre, parce qu'il y a quand même des bestioles assez impressionnantes dans Pitch Black qui reviennent aussi dans Riddick. Voilà, Un Nanar, vraiment très chiant. Plane of the Dead, qui n'a de cool que la jaquette. L'original de Predator, avec Schwarzy. L'excellent Profanation avec Lincoln Burrows alias Dominic Purcell. La trilogie Pulse, pareil, qui est une trilogie assez peu connue, je trouve. Le 1, le 2 et le 3. Et pour finir, nous avons Rats avec Ron Perlman. Donc voilà, c'est tout pour cette partie, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce qui vous plaît. Et voilà, on partage, on like, on commente. C'est tout pour moi. Joyeux anniversaire. Ciao, ciao.